Voilà, merci. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de cette cérémonie un peu particulière qui se déroule à distance, hein, le prix d'innovation. Alors, on est vraiment, je dirais, à innover pour vous retrouver lauréate de ce prix de travail de bachelor qui nous a particulièrement marqué pour son approche innovante. Donc, on vous félicite. Vous êtes donc Yasmina Roucoleri, Elodie Mercedes-Vasquez et Diana Negroni, toutes trois lauréates de ce prix pour le travail de bachelor intitulé Mon smartphone et nous, comment l'utilisation du smartphone par les jeunes pendant l'accueil libre influe-t-elle sur les interactions et le lien social? Et donc, avec mes collègues du jury composé de la directrice de la Haute École de Travail Social, donc Joëlle Libois, qui est avec nous et que je salue et qui pourra toucher un mot au terme de notre entretien pour vous féliciter. Et puis avec Caroline Wittmer de la structure Pulse Incubateur, qui est une structure qui favorise la promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes diplômés des HES, tous domaines confondus, et qui a eu un réel coup de cœur également pour votre travail réalisé autour de ce film et de votre approche particulièrement innovante. Alors, juste avant de passer la parole à Caroline, je voulais vous relever ce qui nous avait particulièrement marqué, interpellé dans votre travail. Donc, c'était vraiment l'approche innovante qui a été menée par une immersion d'observation filmée, donc dans le milieu d'accueil, et une série d'interviews menées avec un public et le public des jeunes directement concernés par la thématique de recherche. Totalement en phase avec, je dirais, une approche de service design d'aller vers la population concernée pour l'entretenir et s'entretenir avec. Et puis, c'est un coup de cœur qui est attribué pour l'approche qui tient d'une thématique d'actualité et qui questionne les professionnels sur leur pratique d'accompagnement social. La question d'appropriation par les professionnels de ces nouveaux modes de communication entre les jeunes est d'autant plus marquée tant elle souhaite s'émanciper de la diabolisation ou de la banalisation de ces supports omniprésents dans les interactions au quotidien et dans ce contexte en particulier. Donc, elle questionne la notion du lien social, tant le smartphone influe sur les différentes formes de présence, comme vous l'avez relevé dans votre travail, et qu'il peut susciter et questionner comment garder le lien. La parole donnée aux jeunes, donc, pour ouvrir le débat sur les besoins d'accompagnement dans une société qui évolue. Voilà, ça, c'est les éléments que nous avons vraiment relevés. Et puis, quand nous avons débattu de votre travail, Caroline Wittmer nous a vraiment évoqué un coup de cœur. Et donc, je vais tout de suite lui passer le micro pour qu'elle puisse témoigner et vous féliciter. Merci beaucoup, Sybille. Donc, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Tu parles de coup de cœur, ça fait C, D, C, et c'est, je dirais, les trois lettres qui se rapprochent le plus des éléments qui, pour moi, font un excellent projet dans le domaine de l'innovation. J'ai tendance à en voir beaucoup. Encore cet après-midi, j'avais tout un jury avec une fondation genevoise d'innovation technologique, donc très avancée en termes de technologie, dans le domaine médical, dans le domaine de l'aviation. Mais moi, ce qui me touche le plus, je dois avouer, dans tous les projets que je vois, ben, c'est ceux qui touchent à l'innovation sociale. J'ai un parcours qui a vraiment en fait été jalonné par une envie d'impacter en fait notre société de la manière la plus positive possible. Et quand j'évoque ces trois lettres C, D et C, ça me fait penser en fait à ce que je conseille, enfin ce que je remarque dans les projets qui rejoignent Pulse, l'incubateur donc de la HESSO à Genève. C'est premièrement le courage qu'il faut pour se lancer dans un projet innovant. Et je trouve que le courage que vous avez eu de vous confronter finalement à cette population de jeunes de tous les âges dans cette structure, la Locados, c'est pas évident. Donc je pense qu'il faut du courage pour passer la porte, pour aller voir les gens. J'imagine que vous avez été très bien accueillis vu la présence ce soir des personnes de cette structure et rien qu'à voir leur visage, ça a l'air d'être une belle structure.
Donc voilà, du courage. Il faut de la détermination parce que pour mener un projet du début jusqu'à la fin, pour le rendre compréhensible des gens qui sont de l'extérieur, pour le rendre accessible aussi, c'est un travail monstrueux, j'en suis vraiment consciente. Et puis on a vraiment été aussi, je pense, touchés par la qualité du travail en fait que vous avez remis. Et puis le dernier C, c'est la créativité. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'en fait, à travers votre approche, vous avez été rechercher en fait une manière de présenter les choses très créative. Vous êtes finalement accompagné de personnes qui ont pu traduire ce que vous aviez reçu comme échange, comme information. Et c'est pour ces trois raisons en fait que moi j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et je suis très contente que vous soyez là aujourd'hui toutes les trois pour recevoir ce prix de l'innovation. J'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin, de faire des nouveaux projets. Donc, sachez que Pulse, l'incubateur interdisciplinaire de la HES, on est là pour accueillir des projets innovants, pour vous accompagner, pour les structurer, pour vous aider en fait à vous lancer dans l'entrepreneuriat si c'est une envie qui vous anime. Donc, n'hésitez pas à venir à notre rencontre parce qu'on adore ce genre de projet. Et c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte que les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils sont motivés vraiment par la recherche du sens, la quête du sens. Et moi, je suis très touchée par tous ces jeunes qui arrivent chez nous, non pas avec la volonté de créer, comme on dit, une licorne à millions et de la vendre le plus rapidement possible, mais plutôt de créer des projets qui ont de l'impact et qui vont pouvoir toucher le maximum de personnes de manière positive. Donc, c'est aussi ça qu'on recherche. Et puis, je vous remercie en fait d'y contribuer. Donc, voilà, je ne vais pas faire plus long parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire de votre part. Mais juste merci et puis bonne route pour la suite. Merci Caroline pour ce feedback. Et donc, c'est vrai qu'on a envie d'aller explorer un peu plus avec vous comment vous y êtes pris, de découvrir ça. Et du coup, avant qu'on ouvre l'espace aux questions pour toutes les personnes qui sont là et qui ont collaboré de près ou de loin sur votre travail ou qui en ont pris connaissance après, peut-être... Vous pouvez juste vous présenter parce que tout le monde ne vous a pas encore rencontré, juste nous dire un peu quel est votre parcours et qu'on fasse un peu connaissance avec vous. Et puis, toutes les questions peuvent émerger dans l'espace de discussion au fil de l'échange qu'on aura. Cécile est là pour les collecter et puis on laissera un espace de dialogue aussi plus ouvert après ce moment d'exploration et de découvrir un peu plus sur comment vous y êtes pris pour réaliser ce travail. Alors, je pense que peut-être Yasmina, je vous laisse le micro. Oui, vous m'entendez bien, ça va? Oui, très bien. Déjà, merci beaucoup pour tout ce qui a été dit. Merci beaucoup pour ce prix et cette invitation. On est très touchés et très contentes d'être là. Donc, moi, je m'appelle Yasmina Brucoleri. Donc, j'ai un bachelor en travail social en orientation éducation sociale. Et actuellement, je suis étudiante à l'UNIL en sciences sociales. Donc voilà. Merci. Diana, vous prenez le relais? Je distribue le micro, c'est la oui. Facilitation pour l'échange. Ça joue. Merci, bonjour Diana. Moi, c'est Diana Negroni. J'ai aussi un bachelor en travail social en orientation animation socioculturelle. Et actuellement, je fais des remplacements avec des enfants. Et puis, voilà. Merci. Élodie. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Élodie Mercedes-Vasquez. Pareil, j'ai aussi un bachelor en travail social. Et par contre, orientation service social. Et là, actuellement, je suis assistante sociale à la Fondation Phoenix dans les addictions. Merci pour ces présentations. C'est vrai que ça nous a marqué que vous veniez de trois orientations différentes pour obtenir un même diplôme. Et du coup, qu'est-ce qui vous a réunis? Qu'est-ce qui vous a motivé et mobilisé autour de ce projet-là, de travail de bachelor? Ce qui nous a réunis, je pense déjà, c'est qu'on avait une envie de faire un film, je crois, pour notre bachelor.
Et puis, ce sujet, il nous intéressait parce que c'était en lien avec, avec un objet d'actualité que tout le monde a, et on voulait en fait se questionner, se confronter, comprendre quel était cet objet et pourquoi certains voyaient ça comme un outil qui pouvait casser le lien. Et on voulait questionner ça. Donc, réunis sous le toit de la curiosité, de l'exploration, oui. Avec un intérêt d'aller avec une approche filmique. Enfin, c'était assez intéressant. Et du coup, est-ce que cette approche-là, est-ce que vous avez rencontré des obstacles particuliers pour accéder aux jeunes et puis à être là en immersion sur le site? Comment ça s'est passé pour obtenir ces témoignages de mineurs en particulier aussi qui fréquentent ces lieux? Oui, alors on en a rencontré, mais tout d'abord c'est vrai que c'est peut-être important de dire qu'on a été sur un terrain, donc qui était le centre d'animation du Locado, qui est un terrain qui était un petit peu habitué en fait aux recherches filmées. Du coup, la présence de la caméra elle a été peut-être un peu plus simplifiée que si on était sur un autre terrain, je pense. Mais c'est vrai qu'on a quand même rencontré quelques difficultés, certains obstacles, on va dire, en particulier en ce qui concerne la captation d'entretien face caméra, en fait, avec les plus grands du centre, les ados et les adolescentes, en fait, qui étaient un peu plus, un peu plus réticents, un peu plus frileux, en fait, à l'idée de témoigner face caméra et de répondre à nos questions. Et puis, on en a quand même eu. Mais c'est vrai qu'on a eu, par exemple, des désistements à la dernière minute ou des choses comme ça. Donc, on a dû à chaque fois rebondir, mais ça l'a quand même fait. Je pense que l'obstacle qu'on a vraiment, qui a été le plus compliqué pour nous dans cette recherche par rapport à l'accès aux jeunes, et c'est un aspect qu'on a malheureusement, qui manque peut-être un petit peu à notre recherche, c'est de ne pas avoir réussi à accéder à des témoignages de filles adolescentes. Ça, c'est un obstacle qu'on n'a pas réussi à contourner. Et puis, parce que c'est vrai que c'est une dimension qui aurait été intéressante parce que de par plusieurs études, on voit qu'il y a une utilisation qui est genrée du smartphone. Donc, ça aurait pu être intéressant. Mais voilà, je pense que c'est le plus grand obstacle qu'on ait eu. Mais voilà, il faut savoir aussi qu'elles sont vraiment minoritaires au centre d'animation, les filles adolescentes. Donc, je pense que ça a aussi joué dans la balance. Voilà. Merci. Vous pouvez peut-être nous rappeler quelles étaient vos questions de recherche de départ ou avec quoi vous êtes parti comme hypothèse de départ pour ensuite aller dans ce mode exploratoire et découvrir en immersion. Donc en fait, nos questions de départ, on s'est tout de suite demandé quels usages en fait ils faisaient de ce smartphone. Ensuite, on s'est beaucoup surtout questionné sur pour quelles raisons en fait ils utilisent cet outil qui est a priori quelque chose d'assez individuel dans un lieu collectif. Et puis finalement, la grande question est ressortie comment ces différentes utilisations influent sur les interactions sociales et sur le lien social. Donc après, on a fait 19 jours d'immersion et de là, les premiers jours, on a pu construire en fait nos hypothèses. Et donc, pour commencer, on s'est dit que l'utilisation du smartphone pendant l'accueil libre, ça pouvait soit renforcer ou soit fragiliser les liens, les relations entre les pairs. Ensuite, la deuxième hypothèse, c'était que les jeunes qui utilisent le plus le smartphone s'investissaient moins dans la collectivité, par exemple, mettre la table, la préparation du goûter, du repas, ce genre de choses. Et puis, la dernière hypothèse, c'était que les jeunes, en fait, utilisaient leur smartphone pour communiquer avec des personnes extérieures et du coup, renforcer le lien avec des personnes extérieures, mais que cette utilisation-là, ça pouvait fragiliser, en fait, les relations avec les pairs présents pendant l'accueil libre. Et du coup, quels ont été du coup vos constats et vos surprises peut-être dans cette immersion? Alors c'est vrai qu'on a été, moi je trouve que c'était, on a trouvé que c'était très très riche. On a beaucoup appris sur ce terrain.
Et déjà, on a constaté que l'utilisation est différente selon les âges. Donc, par exemple, on avait surtout vu un groupe de préadolescents, donc entre 11 et 12 ans, l'utiliser pour plutôt pour être quelque chose de collectif. En fait, ils jouaient un jeu tous ensemble. Donc, finalement, ça revenait à faire un jeu de société ou jouer à une partie de baby-foot. Tandis que les plus âgés l'utilisaient plus de manière individuelle pour justement parler avec quelqu'un à l'extérieur ou pour passer le temps. Beaucoup ont parlé d'ennui, en fait, quand il n'y a rien à faire, quand on attend notre tour pour la partie PlayStation. Et voilà, finalement, en fait, on voit que, comment dire, que ça fait beaucoup sens pour eux, dans le sens où certains sont en train de se faire réviser les devoirs. Enfin, voilà, finalement, quand on s'imagine qu'ils sont dans leur... Dans leur bulle, ils sont vraiment en train de créer quelque chose. Et finalement, la plupart de nos hypothèses se sont confirmées. C'est surtout ça qu'on a constaté. On a pu rajouter certaines nuances, mais en grande partie, ça s'est confirmé. Je peux juste rajouter quelque chose aussi. Une des grandes surprises qu'on a eues aussi et qu'on n'avait pas du tout imaginé quand on avait posé nos hypothèses, c'était qu'en fait, il y avait des jeunes... qui était, enfin, pour qui avoir un smartphone, c'était une des conditions en fait pour être au centre d'animation, parce que ça permettait de rassurer leurs parents. Et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé en fait dans notre lecture, et de se dire, on a l'impression qu'ils sont sur leur smartphone, donc ils se retirent en fait de cet espace collectif. Mais finalement, en fait, s'il n'y avait pas cet outil-là, ils n'y seraient même pas dans cet espace collectif. Donc voilà, ça a été aussi juste pour compléter tout ce qui a été dit et qui était très juste. A été une de nos grandes surprises aussi. Merci Yasmina. Et puis du coup, vous avez dans cette approche de film en immersion, vous avez évoqué le frein d'accéder à certains profils de jeunes, comme les jeunes filles ados évoquées. Là, si jamais j'ai partagé le lien dans le groupe de discussion qui renvoie sur la plateforme participative du Social Up, de l'événement du mois de l'innovation sociale, pour qu'on puisse aller visionner le film et pour les personnes qui n'ont pas encore eu accès à ce travail-là. Donc, cette approche filmique, c'est quand même une approche particulière à réaliser. Quand on voit votre travail, c'est super. Une demi-heure, on est embarqué dans l'histoire, etc. On imagine que vous avez quand même dû expérimenter quelques... vous avez dû quand même éprouver pas mal à l'exercice et à la pratique. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette approche particulière du film ? Alors oui, c'est une approche qui est particulière. Et c'est vrai qu'à la fois, on a été... Il y a des choses qui ont été plus faciles que ce qu'on imaginait, d'autres plus compliquées. Donc, pour commencer, comme je le disais un peu tout à l'heure, filmer les jeunes et être à proximité avec eux, ça a été beaucoup plus facile. Alors, par rapport à ce qui en a l'air en regardant le film, je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport à ce que nous, on avait imaginé, en fait. La place que les jeunes et l'équipe nous ont fait nous a vraiment permis d'investir l'espace et les pratiques quotidiennes des jeunes avec leur smartphone très rapidement, en fait, après notre arrivée. Et ça, c'était vraiment une surprise en bien. On pensait franchement que ce serait plus difficile, plus long, en fait, pour créer un lien et pour les filmer de si près. Donc, on a été étonnés que ce soit, entre guillemets, si facile d'approcher, de filmer des conversations et des échanges, parfois même de l'ordre de l'intime. Et ça, c'est vrai que l'intimité, par exemple, c'est une dimension qui a dû être pensée, dû être pensé de manière différente que si on faisait qu'un dossier écrit, parce que éthiquement, ça posait des questions supplémentaires et des précautions en fait, à prendre qui étaient différentes que si on avait simplement fait un écrit dans lequel on peut anonymiser les noms et voilà. Donc, on sait que voilà, les jeunes vont figurer à l'écran et donc ce qu'on sélectionne et ce qu'on va montrer ou non, au-delà de servir la recherche, doit pas faire de tort aux jeunes. Et autrement, quelque chose qui a été plus difficile que ce qui peut paraître, enfin peut-être que ça se voit quand même parfois dans le film, mais c'est qu'on a rencontré des problèmes techniques, enfin des difficultés techniques, on va dire ça comme ça,
de prise de son, d'images pas super stables, d'images parfois même carrément inexploitables, dont on a dû faire le deuil. Donc voilà, tout ce matériel technique, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on doit penser en permanence en fait, quand on est sur le terrain, et qui s'ajoutent aux observations et à la relation qu'on doit créer avec les jeunes pour la recherche. Donc ça a pu d'une certaine manière rajouter une difficulté, mais en même temps, ce matériel-là, il a vraiment joué un rôle de médiateur avec les jeunes qui étaient intéressés à l'utiliser, qui nous ont demandé d'essayer la perche, qui nous ont demandé de filmer. Donc bah, voilà, à la fois, c'était du matériel qui était parfois encombrant, mais ça nous a aussi permis de créer du lien et de pouvoir insérer un peu plus facilement en fait leur sphère, et d'avoir du coup des matériaux empiriques supplémentaires. Donc voilà, il y avait des avantages et des désavantages à faire cette démarche qu'est le film. Mais voilà, globalement, comme retour sur expérience qu'on garde de l'usage du film dans la recherche, c'est que ça a été une expérience extrêmement positive et qu'on pense extrêmement utile en recherche, en travail social, en particulier avec un sujet comme le nôtre qui fait beaucoup référence au corps. Donc voilà, de pouvoir filmer ces corps adolescents, de pouvoir les présenter de manière sensible avec des images, la manière dont le smartphone agit sur leurs mouvements, sur leur manière d'interagir avec les autres ou de ne pas interagir, c'était extrêmement précieux. Et voilà, et aussi de pouvoir montrer l'ambiance en fait dans laquelle les différentes utilisations se font, d'entendre la musique, de voir les écrans, de ressentir le lieu. Donc voilà, on garde vraiment un souvenir très positif de l'utilisation du film dans la recherche en travail social et en sciences sociales de manière générale. Merci. Vous voulez compléter, les collègues? C'est bon pour vous, ce retour d'expérience? En tout cas, ça participera certainement à sa diffusion large. On sait que très peu de recherches sont partagées et diffusées. Et c'est vrai que l'usage du documentaire en termes de partage et d'usage d'outils, alors ça me permet d'aller sur la dernière question. Et oui, il y a des personnes donc, du Locado qui sont là, des professionnels du travail social qui sont présents. Et on n'était pas tout à fait sûr quand on a discuté au moment de l'échange, mais du coup, quel usage, en quoi est-ce que vous avez eu des retours, vous, directement, de comment ça peut soutenir la réflexion des travailleurs sociaux qui œuvrent au quotidien avec ce public de jeunes et qui sont dans ces questionnements-là, dans l'accompagnement social et le lien social avec ces jeunes, avec ces nouveaux modes de communication. Est-ce que vous avez eu des retours des feedbacks de ces professionnels? Et puis après, je laisse les professionnels, bien entendu, réagir s'ils le souhaitent dans le cadre de notre échange. C'est ouvert. Hein. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui veut réagir, peut-être? Comment ça peut soutenir l'action? Déjà, comprendre l'outil. Je pense que c'est important de comprendre cet outil que pratiquement tous les jeunes ont et sont quotidiennement avec. Et comme on a dit dans notre conclusion, après avoir fait cette recherche, c'est un outil qu'il ne faut pas diaboliser ni diviniser, mais juste en fait essayer d'ajuster le quotidien avec et puis d'ajuster nos pratiques avec, parce que maintenant je pense que ça va être quelque chose qui sera constamment là. Du coup, vraiment essayer de comprendre cet objet et de prévenir aussi, faire de la prévention autour de cet objet, des dérives qu'il peut y avoir. Et je pense intégrer, prévenir, enfin faire de la prévention et comprendre, je pense que c'est un peu les trois soutiens, enfin les trois mots qui ressortent. Merci beaucoup pour les clarifications apportées et partagées en plénière. Est-ce que du côté des professionnels qui ont ouvert la porte de Locado à ces trois jeunes femmes, est-ce qu'il y a des réactions particulières, vous voulez témoigner de quelque chose?
Du coup, j'ai ouvert le micro, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Alors, je suis à Nandi, je suis responsable du Locado. Il y a mon collègue David que vous voyez depuis le studio. Et puis Mélodie qui était dans le film, qui était une des jeunes interviewées. Oui, bonjour, merci d'être là. Donc, alors à la question que vous avez posée, qui était de savoir de quelle manière ça soutient les professionnels, bah, disons, on va dire que toute démarche de recherche qui du coup amène toute une réflexion, une position méta avec des questions que nous, on ne va pas forcément se poser au quotidien. C'est de toute façon un apport et puis un regard croisé sur ces questions. Et puis là, à l'occurrence, l'utilisation du téléphone. C'est vrai qu'on ne s'était pas forcément questionné, nous, sur ce sujet. Les étudiantes sont arrivées avec les hypothèses qu'elles expliquaient avant, que ça pouvait être quelque chose qui freinait le lien ou qui le coupait. On n'avait pas forcément cette impression, puisque voilà, mais le film le démontre aussi bien qu'il peut y avoir une utilisation qui facilite ou qui permet même le lien à l'intérieur du centre. Et puis, pour nous, bah, c'était très riche d'entendre les jeunes parler, de les voir interagir, de nous voir interagir avec eux. Et puis, avec ce focus-là sur l'utilisation du smartphone. Donc, puis, bah, comme vous, on trouvait que le résultat était très réussi, très parlant. Ça mettait en valeur aussi la jeunesse. Je ne sais pas qui c'est qui disait, ouais, faut du courage pour aller voir les jeunes. Non, ils ne sont pas si terribles que ça. Mais je trouvais que ça mettait bien en valeur comment les jeunes peuvent se sentir au centre, quel rapport ils ont avec les différents outils, pas seulement leur téléphone. Et puis qu'elles ont eu une approche très, très sensible. Et elles parlaient voilà, que ça a été facilité, mais elles ont aussi eu une approche qui ont fait qu'elles se sont directement intégrées, qu'elles faisaient partie de l'ambiance, que voilà, ça, c'est aussi lié à leur posture sensible et le lien de proximité qu'elles ont rapidement su créer. Donc, je pense que c'était bénéfique de tous côtés. Je ne sais pas si Mélodie, tu veux dire quelque chose par rapport à l'expérience d'avoir participé à ce film, et puis si tu en as retiré des choses après coup. Ben, je pense que le fait de se questionner sur l'appareil, enfin, sur les téléphones, ça peut être bien pour tout le monde, parce que parfois on ne se rend pas forcément compte de certaines choses, et que parfois les gens qui aiment trop être sur leur téléphone ou quelque chose comme ça, ben, ils se freinent dans certains domaines, mais après, ils peuvent très bien réussir à créer des liens en étant sur leur téléphone, et c'est quelque chose de différent. Mais après, les gens, ils peuvent aussi très bien créer des liens entre eux sans devoir avoir un téléphone. Et ça dépend de la prise de position qu'on a. Mélodie, est-ce que vous dites, c'est que du coup que ça a facilité le discours et l'échange sur, en fait, au fond, comment on interagit. Et donc, c'est un débat qui a pu avoir lieu du fait de la présence et de la recherche qui a été ouverte dans le terrain Locado. Ben, ça a facilité beaucoup de dialogue entre vous, les jeunes. Vous en avez beaucoup parlé. Ben, après, en écoutant ce que les jeunes y disent, on peut parfois se rendre compte de certaines choses, et puis on a tous des points de vue différents et qui peuvent être intéressants à écouter. Parce qu'on n'est pas tous pareils, et puis avoir des avis différents, c'est cool. C'est la richesse. Et puis merci d'être là, parce que c'est justement... dans des moments comme ça, où aussi dans l'innovation sociale, on essaie d'être dans ce dialogue ouvert, et puis d'avoir le plaisir de t'avoir avec nous aussi, et d'avoir ton témoignage aussi pour valoriser ce travail qui a été fait dans le champ social. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. D'accord.
Merci à Locado. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y avait d'autres Je sais pas si un collègue veut intervenir. Du côté de David, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, je vais être très basique, je vais dire tout comme vous. Alandi, je pense qu'elles ont su elles ont vraiment su s'intégrer en fait et créer du lien rapidement avec avec les jeunes, ce qui est pas tout le temps forcément le cas, parce qu'on reçoit beaucoup, nous, de stagiaires, de personnes qui sont à l'HETS, qui viennent faire leur travail, et ce n'est pas tout le temps, selon le travail qu'il y a à faire, ce n'est pas toujours évident de créer du lien avec les jeunes, de réussir à se faufiler entre eux, comme un espèce de caméléon, et être avec eux, et que pour eux, qu'il n'y ait aucun dérangement, que ça ne les dérange pas. Et elles ont su le faire, et du coup, ça se voit sur la qualité de leur travail. On dirait que la caméra, c'est leurs yeux, quoi. Donc, c'est comme si elles n'avaient pas posé de caméra et que les jeunes ont continué à faire leurs activités, alors que les jeunes savaient très bien qu'elles étaient là pour ça. Donc, c'était super intéressant. En tout cas, elles ont. Je vous félicite encore pour le travail que vous avez fait, parce que ça porte ses fruits, et les jeunes ont pu en discuter même après entre eux. Et puis voilà. Merci beaucoup pour votre retour. On voit aussi que le lieu qui est ouvert, vous êtes un lieu visiblement très ouvert, et que l'expérience est positive, parce qu'avant tout, elles ont su mettre en avant leur qualité relationnelle et humaine. Bien qu'on utilise une approche média, donc nous enfin je pense que c'est vraiment aussi ce qu'on a senti au niveau du jury. On était avec vous en immersion quand on a pris connaissance de ce documentaire, et c'était vraiment précieux. J'espère que vous pourrez exploiter en tout cas ce matériel là. Est-ce qu'il y a d'autres questions du collectif pour l'une ou l'autre des personnes présentes, ou un message? Je voulais juste. Ça me fait penser, quand vous parlez d'exploiter le matériel, c'est vrai qu'elles nous ont donné des rushs de ce qu'elles ont filmé, du coup qu'on utilise, vu qu'il y avait déjà les autorisations qui avaient été faites, etc., qu'on utilise dans le cadre d'une formation sur l'analyse de l'activité pour former les moniteurs, monitrices de la phase, animateurs, animatrices du parascolaire. Donc des petites séquences, parce qu'on trouvait qu'il y avait des belles interactions, et puis que ça mettait en valeur les jeunes et les interactions avec les professionnels, et du coup elles ont été d'accord de nous donner des petits bouts de ce qu'elles avaient filmé. Et puis c'est aussi une formation, un film qu'on a transmis aux partenaires, notamment aux partenaires des écoles primaires de la commune, et voilà, en lien avec la prévention numérique, qui sont des sujets qui intéressent particulièrement l'école. Et puis, nous, on a dit, ben voilà, on a des étudiantes qui sont venues, qui ont une approche justement pas diabolisante du numérique, mais plutôt compréhensive de cet outil. Et du coup, on l'a transmis, on a créé un espace de partage dans lequel il peut être consulté pour qu'il puisse être utile aux professionnels, et puis aussi diffuser si besoin. Donc, voilà, il continue à exister de notre côté. Bravo, hein, c'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres feedbacks, retours, questions? Alors là, je ne vois pas de questions dans le chat, mais si quelqu'un veut lever la main, je me mets en mode galerie pour vous voir. En tout cas, on vous félicite. Pour nous, le prix de l'innovation, c'est vraiment essayer d'ouvrir le dialogue. Je pense que l'ambition de l'innovation, c'est aussi de susciter ces regards, le dialogue autour de thématiques dans le champ social. Et c'est ce que vous avez réussi à provoquer avec ce travail-là, et qui nous amène encore aujourd'hui à ouvrir cette discussion. Et ce matériel va vivre. C'est Joël Libois qui me disait, mais on a des matériaux de films, on a
les documentaires et de les exploiter pour développer justement le travail social et un regard sur la pratique professionnelle, c'est vraiment une richesse. Et donc, vous avez vraiment contribué et nourri ce par votre travail de bachelor. Hein, c'est un travail vraiment de qualité qui vous permettra de poursuivre les échanges, en tout cas, et de ne pas les laisser dans un fond de tiroir, et c'est toute la richesse, et bravo, j'espère qu'il sera exploité. Est-ce qu'il y a mes collègues de l'hospice qui veulent passer un message quelconque du côté de, je pense, Philippe et Olivier, qui sont aussi sur la transformation numérique, un sujet qui nous habite beaucoup, avec toujours au cœur le lien social et privilégier le lien social. Philippe, tu as activé ton micro. Oui, alors déjà, vous adressez mes félicitations. Non, c'est un joli boulot. Franchement, alors je vais vous le dire avec mon regard à moi et très personnel. C'est fluide, ça fait du bien. Quand on regarde, on se laisse embarquer un petit peu comme dans un bon film. Et puis, on suit toute l'histoire jusqu'au bout. Et donc, au-delà d'apprendre des tas de choses, et puis le fait que ça résonne avec plein de questions qu'on peut se poser sur l'usage des smartphones et autres quand on a des enfants qui ont aussi ces appareils-là en les mains, où on trouve que franchement, des fois, ils abusent. Mais en même temps, c'est quand même vachement bien qu'ils l'embarquent avec eux quand ils sortent de la maison. Enfin, bref, c'est, voilà. Donc, merci. Enfin, bravo déjà pour ça. Félicitations. Et puis, juste qu'on est heureux d'attribuer esprit. Qui a comme objectif d'encourager, de stimuler, de donner envie, de sortir des chemins balisés ou des manières peut-être un petit peu plus classiques ou traditionnelles d'aborder la recherche et les différentes questions auxquelles on peut travailler et répondre à travers ces démarches-là. Ce que vous avez fait, donc raison pour laquelle j'imagine que le jury vous a attribuer ce prix, ou en tout cas c'est comme ça que moi je le vis et que je le conçois à l'Hospice Général. Donc bravo. Olivier ? Bon, je vais pas passer mon temps à répéter ce qu'il a dit parce que je suis assez d'accord. Donc, mais c'est vraiment sortir des chemins, quoi. C'est vraiment la bonne idée. Il faut tester. Parfois on peut aussi faire des erreurs, mais c'est pas grave. On cherche et puis. On va chercher la valeur ajoutée en innovant et c'est très bien. Donc, bravo. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Joël, parce que Joël, je te laisserai le privilège du mot de la fin pour conclure et féliciter nos trois lauréates. Je vous donc remets ce prix, je devrais le tourner. Vous recevrez un prix d'innovation qu'on vous remet, vous le recevrez chez vous. On ne peut pas vous le remettre en main propre, mais c'est un prix d'une valeur modeste de 1000 francs que vous partagerez et pour vous féliciter, vous encourager à poursuivre sur cette voie et bonne route dans votre évolution et dans votre entrée dans le monde professionnel du travail social qui est d'une richesse incroyable et on se réjouit de vous retrouver parce que finalement c'est un petit monde où qu'on se trouve, on a des chemins qui se rencontrent et on est très heureux en tout cas d'avoir pu vous rencontrer aujourd'hui et partager ce moment-là avec vous malgré la distance, malgré la visioconférence et merci d'avoir partagé, d'être encore venu dans cette interview pour témoigner de votre expérience. Donc, félicitations encore, au plaisir de vous retrouver. Et puis, Joël, je te laisserai donc conclure l'événement. Merci beaucoup, Sybille. Bien sûr, moi, j'aimerais d'abord féliciter nos trois lauréates. Et je suis contente de dire trois lauréates. Et je suis d'autant plus contente de dire trois lauréates parce que vous vous êtes engagés dans une aventure pas simple où il y a toute la technologie. Et j'ai pu remarquer, parce qu'on a beaucoup de travaux en vidéo malgré tout, je relate quand même qu'on est la seule école de travail social qui permet un travail de bachelor en vidéo et avec une partie écrite aussi. Mais souvent, je remarque qu'il y a beaucoup
d'étudiants masculins qui se lancent dans cette aventure. Et là, les trois filles, eh bien, je suis très, très heureuse que vous ayez fait cette expérience. Je voulais dire que la question de... Je suis très heureuse d'entendre aujourd'hui aussi le fait que eh bien, des rushs de ce film puissent être utilisés directement pour les professionnels, puissent être utilisés pour d'autres formations. Je crois que c'est vraiment l'objectif de la recherche, hein. C'est vraiment que ça puisse aussi rentrer dans l'enseignement, autrement ça n'aurait pas de sens pour les HES, c'est vraiment cette articulation de la recherche et l'enseignement. Et du coup, là même, que les travaux des étudiants puissent rentrer directement dans une formation qui est plutôt presque une formation continue, puisque c'est pour les professionnels en analyse de l'activité, ben, chapeau, c'est très chouette et c'est vraiment très très bien. Peut-être dire aussi que moi, j'apprécie beaucoup le fait que vous donniez la parole aux jeunes, et évidemment, dans ce film, c'est vraiment les jeunes qui s'expriment. Et évidemment, le film permet, de, comme vous l'avez dit, hein, de non seulement avoir la parole, mais avoir toute l'ambiance, avoir la dynamique collective. On ressent, vous avez parlé des corps, des présences, et moi, je trouve que c'est vraiment très, très riche. J'ai particulièrement apprécié cette idée de différentes formes de présence, parce que dans le travail social et le lien social, on parle beaucoup de la présence. Et là, tout à coup, on ouvre une autre forme de présence, qui est celle avec le smartphone, et qui est tout aussi riche, effectivement. Et souvent, on a tendance à dire que, justement, ça coupe le lien social. Et là, on voit que ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être le cas à certaines fois, mais que ce n'est pas forcément le cas. Et vous insistez aussi beaucoup, enfin, les jeunes insistent, nous le montrent, que c'est aussi un outil. Principalement un outil, et puis quand vous disiez que ça pouvait même rassurer les parents, c'est assez extraordinaire de se dire que c'est grâce au smartphone qu'on peut aller dans un lieu d'accueil libre. Peut-être dire aussi que l'avantage de ce film, c'est qu'on rentre dans un lieu d'animation, on a peu l'occasion d'entrer dans des moments de vie, vraiment un moment de vie d'accueil libre dans une maison de quartier, un centre de loisirs, et c'est... Je dirais qu'on rentre vraiment dans le réel. On sent qu'il n'y a pas une mise en scène particulière ou quoi que ce soit. Et ça, c'est aussi très, très riche parce qu'il y a aussi beaucoup de représentations et des fois assez négatives autour de ces lieux. Et là, tout à coup, on ouvre, on donne la parole et on voit qu'il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de lien social dans tout cet espace. Et ça, on le voit aussi bien à travers le film. Alors, je crois que tous ces éléments ont fait que le jury était vraiment très, très heureux de pouvoir vous remettre ce prix. Il y a aussi cet effet, effectivement, comme l'a dit Sybille, le fait que vous soyez dans différentes orientations, et ça, c'est vraiment très, très chouette. Et moi, j'insiste toujours pour dire, finalement, c'est des bachelors en travail social. Vous obtenez un bachelor en travail social avec ce mémoire, et vous allez sûrement dans votre carrière professionnelle traverser ces cloisonnements entre l'animation, l'éducation et le service social, parce qu'on voit très bien le suivi général accueille. Par exemple aussi avec les réfugiés, il y a besoin tant d'animation que d'éducation, que de services sociaux. On voit bien maintenant tout s'ouvre, et aussi avec les nouveaux outils, et ça c'est aussi une démonstration. Donc voilà, je vous dis encore bravo et toutes mes félicitations, et puis j'aimerais aussi vraiment remercier l'Hospice Général. Je crois que vraiment merci l'Hospice pour ce prix. Je trouve que ça ouvre de nouvelles voies aussi de partenariat avec la HETS. Et on a vraiment, je trouve, une très, très bonne collaboration avec l'Esprit Général qui se construit d'année en année avec des différentes possibilités. Et moi, je m'en réjouis vraiment. Et que ce lien avec la formation des travailleurs sociaux, évidemment, c'est essentiel pour nous d'être en lien avec les terrains professionnels et avec des terrains aussi importants que l'Hospice. Ben, c'est une grande chance. Alors, je crois que ce moment, toutes les prises de parole qui ont été amenées dans ce moment, ben, ça montre bien... toute cette richesse, tant sur les travaux de bachelor, tant sur les films, tant sur le lien avec l'Hospice Général. Et vraiment, j'aimerais remercier tout le monde aussi pour ce moment, parce que je trouve très chouette qu'on ait pu valoriser ce moment de cette manière-là, et que ce film soit accessible et utile, évidemment, pour les terrains professionnels. Donc, je crois que c'est vraiment une réussite sur de multiples plans. Alors, merci beaucoup à l'Hospice, et encore félicitations aux trois étudiants.